Je vous le disais en titre, Claude Lelouch vient présenter ce soir son nouveau film à Amiens, L'amour, c'est mieux que la vie. Bonsoir Claude Lelouch, merci d'être avec nous. Pourquoi ce titre, L'amour plus fort que la vie ? Parce que c'est une certitude. C'est une certitude, vous savez, à chaque fois que mon cœur s'est mis à battre un peu plus vite que d'habitude, les choses étaient différentes, voilà. Donc à chaque fois qu'on est capable d'aimer quelqu'un d'autre plus que soi-même, on bascule de l'égoïsme à la générosité. Et voilà, donc les grands moments de ma vie ont été des moments où j'ai eu la chance de faire des choses dont j'étais amoureux. Voilà, c'est une certitude. Et dans ce film, je parle d'amour et d'amitié, des trois, l'amour, l'amitié et l'argent, qui à un moment donné, effectivement, se mélangent. Voilà, mais j'ai voulu avec ce film vous faire rêver, vous distraire, vous faire rire, vous faire pleurer, vous donner la chair de poule avec une image du monde positive, parce que je trouve que si la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles, les merveilles sont tellement formidables que ça vaut le coup de se taper les emmerdes. Alors justement, voilà. Donc avant de poursuivre avec vous, je vous propose de regarder un extrait. On se retrouve juste après. Et vous voulez quoi au juste ? Notre ami, il va bientôt nous quitter. Et nous, on aimerait lui offrir sa dernière histoire d'amour. Faites pas faire des gueules d'enterrement comme ça. Attends, hein. C'est une mauvaise imitation de De Niro, voilà ce que vous faites. De Niro, c'est ça, De Niro. Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout. Et vice-versa. Et à votre fils, vous lui avez dit ? Et à votre père ? J'ai tout du mal à me le dire à moi-même, alors. Vous êtes venu seul sur ce bateau ? Oui, pourquoi ? Ah, parce qu'en général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème. Bah donc vous aussi, vous avez un problème. Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça ? Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas, hein ? Alors Claude Lelouch, pourquoi ce film sur la fragilité de l'existence, de la vie, donc avec trois amis, dont très très proches, dont un parmi eux malade ? Écoutez, tout simplement parce que j'ai passé ma vie à filmer mes observations et je suis rentré dans une phase où, effectivement, je me rapproche de la ligne d'arrivée et je m'aperçois que j'ai jamais autant apprécié la vie. J'ai jamais autant dégusté la vie. Voilà, et donc c'est cette dégustation, cette envie d'aimer la vie que j'ai envie de vous faire aimer aujourd'hui, surtout dans une période comme celle qu'on traverse. C'est un film en tout cas généreux. Je vous propose une nouvelle fois de continuer donc avec vous, Claude Lelouch. Vous êtes donc à Amiens ce soir, mais la Picardie est une terre de cinéma. Vous-même avez tourné un film en 1976 en baie de Somme, à Saint-Valery. Ici, c'était à refaire avec Catherine Deneuve. De nombreuses scènes se déroulent dans la maison de Christiane Sauvage, qui s'est replongée pour l'occasion dans ses souvenirs. Julien Guéry, Mélissa Genevoix, et à tout de suite. C'était au printemps 1976. Christiane se rappelle encore précisément du jour exact où le réalisateur Claude Lelouch est venu sonner chez ses parents. Donc Claude Lelouch est venu à cette porte un mercredi 13 mai parce qu'en fait il disait qu'il était superstitieux. Et donc le 13 mai pour lui c'était annonciateur de négociations faciles, plus faciles. Et donc 13 mai effectivement ça s'est bien passé, il a réussi à négocier. Quelques semaines plus tard, en plein été, le réalisateur revient avec son équipe et le matériel pour tourner une partie de son nouveau film, Si c'était à refaire. Pendant plusieurs jours, le jardin et quelques pièces de la maison vont servir de décor aux acteurs, et notamment à Catherine Deneuve. Lucienne, elle était là-bas à la fenêtre, et il y avait une discussion entre Lucienne et Catherine Deneuve ici. Lucienne ! Lucienne ! Oui, grillée alors ? Là, c'était un grand lit qui avait été aménagé dans cette pièce. Et il y a une scène au niveau des poignées de porte aussi. Christiane, adolescente à l'époque, obtient l'autorisation de suivre l'équipe et de filmer le tournage avec sa caméra Super 8. Oui, bien sûr, on y pense encore. En fait, on a vu une bonne ambiance dans l'équipe. Et ça, c'était agréable entre Lelouch et Chouraki. Et le technicien, il y avait une bonne... Bonne coordination de tout ça, et vraiment c'était agréable à voir et voir comment ça se passait. Pour les besoins de son film, le réalisateur investira la promenade le long de la maison et également la gare de Noyelles à quelques kilomètres de Saint-Valery.
des scènes nécessitant de nombreux figurants. Pour nous, c'est amusant parce qu'on a retrouvé tous ceux qu'on avait fait venir, qui ont tourné, qui se sont promenés sur la digue, qui ont été figurants pendant la scène sur la digue avec Catherine Deneuve. 45 ans plus tard, il arrive même encore parfois qu'en se promenant, quelques touristes reconnaissent la maison et interpellent Christiane à propos du film. Pourquoi aviez-vous choisi notre région et la baie de Somme pour tourner ces quelques scènes de ce film ? D'abord parce que c'est un endroit magique. J'avais besoin de faire rêver les gens avec cette histoire d'amour entre une mère et son fils. Voilà. Et en me promenant dans la région, j'ai trouvé que l'endroit se prêtait très bien aux émotions que je voulais filmer. Non, j'en ai gardé un très très bon souvenir, et tellement bon d'ailleurs que ce soir je suis revenu dans la région, voilà, pour vous dire bonjour et prochainement sur cet écran avec L'amour c'est mieux que la vie. Très bien, merci beaucoup Claude Lelouch pour cette invitation, merci beaucoup.